Salut poto, présentation du compte à gagner. Donc voilà, on commence par la base. Sur le compte, bien sûr, un bunker. Et le mock. Donc le mock pour l'instant, il ne sera pas modé puisque le glitch est pénible à passer. Donc je vous montre quand même l'intérieur. Hein. On va faire tous les lieux, les bâtiments, les PDG. Donc voilà, le bunker, il y a bien sûr il y a le mock. J'insiste pas à l'intérieur, ça sert à rien. Vous savez ce que c'est qu'un bunker et un mock. Bien sûr, il y a une petite surprise pour celui qui va gagner le compte. Voilà. Donc vous avez compris qui a la MK2. Je vous montre tout. Là, au haut complexe. Je vous montre l'intérieur du complexe. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas du fake. Donc le compte est bien gagné. Donc je remercie Momo ORDV69 Finality World Bolton Multigaming Boom Boom Multigaming Lilianos The White Rhino Sosa Inferno pour leur participation à l'élaboration du compte. Le complexe a remis les véhicules spéciaux. Donc s'il y a un glitch qui tombe entre deux, le glitch de la TP bien sûr je parle, pour pouvoir mettre les véhicules spéciaux, je les mettrai. En attendant, il y a déjà l'Avenger modé. Tous les véhicules qui vont avec, à part les véhicules spéciaux. Commencer par là. Voilà. Bien sûr, je vous les présente pas les véhicules. Hein. Sur ma glitch de la TP, bien sûr, je vous mettrai tous les véhicules spéciaux, le tank et compagnie, quoi, bien sûr. J'ai pas mis le canon orbital pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas d'utilité pour moi à avancer le compte. Après, libre à vous. Donc, il y a déjà la salle de sécurité. Donc, comme vous pouvez le voir, la salle de sécurité. C'est un complexe. Voilà quoi. Y a pas de... Donc pour l'instant, il n'y a pas le canon orbital. Donc, bah, après, la personne qui le gagnera. Finira cette petite partie-là. Donc voilà pour le complexe. J'ai essayé de regrouper tous les bâtiments au même endroit.
On va aller voir le PDG, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. PDG, il y aura la carte bleue. On va se comprendre. C'est la carte bleue du compte. Donc pour gagner le compte, je vais attendre d'être à 1000 abonnés. 1000 abonnés. Bien sûr, vous partagez, vous likez cette vidéo. Et je ferai un tirage au sort à partir de 1000 abonnés. Donc dès que j'ai la réponse de la personne qui a gagné le compte, et ben je le contacterai et je lui offrirai le compte, l'escroc 5962. On va bien prendre le temps, je vous montre tous les bâtiments. C'est bien au niveau bâtiment, il est full. 6 apparts, PDG. Club de motards. Boîte de nuit. Tout est prêt à être utilisé. Compte il sera niveau plus ou moins 44, donc comme je vais encore avancer un peu, alors je vous montre pourquoi je dis la carte bleue du compte. Voilà les poteaux. Ça, c'était pour le test de la plaque, la RH8. Je vous dis. Il y a de quoi bien démarrer. Que même sur le compte, il y a des petites perles. Donc le compte, c'est tous les bâtiments, des tenues, de l'argent. Pas fait semblant quoi. Donc là pareil, hein, je vais pas monter jusqu'en haut, c'est de la dupli. Voilà. Jusqu'en haut. Je vous montre là ici le premier garage. Et je vais vous dire que sur le compte, les voitures qu'il y a, les petites perles. Donc on commence par le dernier. Comme ça, je vous montre la surprise au premier. Voilà. On n'a pas fait semblant. Donc j'essaie de vous mettre des véhicules qui plus ou moins sortent assez souvent sur les dons de véhicules. Avec des couleurs 3D.
Là, la petite surprise du chef. Donc je vous montre pas tout de suite là sur la droite. Donc voilà, ce petit véhicule assez sympathique. Il y a de la Secret Goldé et de la 3D. Donc tous les BMX sont de couleur. S'il en manque un, c'est la place bugger les photos. Et là, la petite surprise qui sera avec le compte. Donc la personne qui va récupérer, alors parce que c'est la tête, la Magic Slot fonctionnelle. Donc comprise avec le compte. Donc je vous dis, la personne qui va le gagner, elle n'aura pas grand chose à faire sur le compte à part le faire vivre. Donc on va aller à la boîte de nuit, bien sûr hein, ça reste une boîte de nuit, il n'y a rien d'exceptionnel, mais je vous montre quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, je me répète, si à l'ATP qui retombe, je vous mettrai les véhicules spéciaux. Et j'essaierai même de vous faire le speedo. Après la boîte de nuit. J'ai pas mis de véhicule. Donc voilà, présentation. Joli petit bureau. Par contre, la boîte de nuit, elle est active. Je tiens rentre des matières, fais quelques petites missions. Belle présentation. Sympathique, une petite cinématique. Donc j'attends pour les véhicules spéciaux de la boîte de nuit, parce que si on va de les rentrer avec un glitch, pas se casser les reins à les acheter. Après, tout le monde connaît la boîte de nuit, j'espère. Donc là, à cet étage-là, il y a deux véhicules. Je les ai stockés là comme ça en attendant, je les ai laissés. Après, si vous ne les voulez pas, vous les écrasez. C'était des tests de la Magic Slot. Donc on va aller à l'entrée de la boîte de nuit. Ce qui est un véhicule qui est beaucoup demandé. Dessus. Voilà, il y a la scramjet. Elle est là, elle est prête. Allez, on passe à notre bâtiment.
Donc là, vous voyez, sur la carte, les deux bâtiments verts. Je pense qu'il doit y avoir dans ce garage-là une ou deux voitures. On va les voir quand même. Mais... car short spindle. Je vous ai dit hein. Donc au total il doit avoir une bonne quarantaine de véhicules modés, tous les bâtiments. Donc je vais pas les on va pas rentrer dans tous les bâtiments bien sûr. On va aller voir le club de motards, on aura fait le tour je pense. Donc je me répète, je tenais à remercier Momo OLLA DV69 Glitch GTA 5. Pensez à vous abonner à sa chaîne Bolton Multigaming, Boom Boom Multigaming, Finality World, Lianos, The White Rhino, Sosa Inferno pour leur participation à l'élaboration du compte. Bien sûr, il y a des gens entre deux qui sont passés, qui m'ont donné un coup de main, qui m'ont fait du Bogdan, qui... Je peux pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront. Donc pour le gagner, les potos, 1000 abonnés, je lance un tirage au sort. Et le compte, il sera donné à la personne qui aura gagné ce compte sans aucun problème, sans discussion, que ce soit Pierre, Paul, Jacques, tout le monde peut participer. Et juste comme ça pour info, hein, ce sera un tirage au sort, donc il n'y aura pas de tricherie. Donc je suppose que de toute manière les amis proches ils joueront pas. Donc c'est pareil, il y a Momo qui est en train de créer un compte. Il y a Boom et Bolton qui créent un compte aussi à gagner. Donc vous verrez avec eux leurs conditions pour gagner le compte. Je pense que ce sera sur le même principe que moi. Hein. J'ai oublié de préciser, il y a un hangar d'avion aussi. Donc si, je me répète, s'il y a un glitch de TP qui tombe, j'essaierai de vous mettre deux ou trois avions. Je pense que de toute manière, pour arriver à 1000 abonnés, il va se passer un petit peu de temps. Donc n'hésitez pas à faire tourner la vidéo, la partager et de liker. De toute manière, plus il y aura de monde qui sera inscrit, plus il y aura de chances de gagner le compte assez rapidement. Dessus il y a 2-3 tenues déjà. Le compte est même prêt à aller au mode réalisateur. J'ai déjà pris la payotte. Il n'y a plus qu'à dupliquer du pigeon. Si j'ai le temps, je le ferai. Mais après, je pense que les tenues, en général, on aime bien les faire soi-même. Donc je vous ai mis les tenues de base. On va déjà aller voir ça. Le club de motards. Donc je vous ai mis quelques petites motos modées déjà. Je vous les présente pas. Un coup de chaud, F-90,
400, Montchaise. Il y a de quoi bien commencer. Hein. C'est pareil, tout le monde sait ce que c'est qu'un club de motards. On va faire le tour, ça sert à rien. Je montre les deux, trois petites tenues que j'ai fait. Voilà. Celle-là. Voilà. Donc les potos, je vous dis bah à bientôt. En espérant que ça va assez vite pour vous puissiez le gagner. Donc, allez, ciao les potos.